C'est toujours la parole des compagnons au sein de la communauté Emmaüs de Grenoble. Aujourd'hui, nous accueillons ici Charlotte. Comme ça, on va laisser Charlotte se présenter. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Charlotte Martin-Fallier. Je suis décoratrice dans le cinéma depuis maintenant 8 ans. Voilà. Et je viens ici parce qu'on prépare un film qui se tourne essentiellement à Briançon et pour lequel on avait besoin d'un peu d'aide. Donc on est venu ici. Ok. Voilà. Et comment vous avez connu Emmaüs? Alors Emmaüs, moi je connaissais déjà d'avant puisque je suis de région parisienne et il y a pas mal de boutiques. Et j'ai connu, je pense, à l'époque où on était étudiants et on commençait à habiter dans nos propres appartements et qu'il nous fallait des canapés, des casseroles, des trucs comme ça. Donc j'ai connu Emmaüs à cette époque. Et après, dans mon travail, c'est vrai que régulièrement, on fait appel aux compagnons pour acheter tout un tas d'objets de la vie quotidienne. Aujourd'hui, pourquoi? Alors, je suis là aujourd'hui très exactement dans le cadre d'un film qui s'appelle Dans un monde idéal, d'Émilie Frèche, et qui raconte l'engagement d'un homme dans la cause des migrants. Et à la fois l'engagement et en même temps, ce que j'expliquais aussi, la désobéissance face à un système qui n'est, en tout cas pour l'instant, pas vraiment fait pour accueillir, ou en tout cas pas toujours très bien. Quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire que faire ce film inspire quoi et qui exactement? Et inspire quoi et qui c'est une bonne question. Je pense que le but, c'est un petit peu peut-être de faire un petit peu réagir les gens qui sont bien au chaud, confortables chez eux, de leur dire c'est une situation qui existe et qui existe comme dans le film. En fait, ils croisent un gamin dans une rue. En fait, les gens en question, dont on parle parfois dans les médias, qu'on appelle des migrants, mais qui ne sont pas juste des migrants, qui sont des êtres humains comme vous et moi, ils sont là, ils existent, ils sont au coin de la rue. Et en fait, c'est peut-être aussi de se dire peut-être vous pouvez juste ouvrir les yeux, faire preuve d'un tout petit peu plus d'humanité, et ça va pas forcément vous détruire. Alors après, là, le personnage va assez loin dans la démarche, mais on n'est pas forcément tous obligés de s'engager à ce point. Et juste Vous pensez que cela va changer quelque chose dans notre société? J'espère, franchement, autant espérer. Ça coûte pas grand chose d'espérer, à vrai dire, donc j'espère, oui. Est-ce qu'il y a d'autres structures qui vous rejoignent pour faire ce film? Il y a le réseau Hospitalité qui nous a aidés, nous a donné quelques documentations à mettre justement dans le refuge, et qui nous a aidés, qui a aussi aidé la réalisatrice sur deux, trois moments de dialogue où il y a les personnes du refuge qui expliquent comment est-ce que telle personne, on va aider à la déclarer comme mineur isolé parce que c'est un mineur qu'il est tout seul, tel autre, on va utiliser regroupement familial parce qu'ils arrivent en famille, sur des aspects assez techniques comme eux, c'est leur quotidien de se confronter à cette situation. Ils ont bien voulu nous aider à essayer d'être au plus juste, ne pas raconter trop de bêtises. Quoi. Bien. Et Emmaüs, à quel rôle a joué dans ce tournage de film? Emmaüs, je ne sais pas s'ils ont grand-chose techniquement à gagner, puisque eux, c'est déjà leur travail, c'est déjà leur quotidien. Je pense que c'est... j'ai envie de vous dire, Emmaüs, c'est aussi leur leitmotiv que d'aider les gens. Et là, en l'occurrence, on essaye de mettre en lumière une situation dans laquelle eux sont engagés déjà depuis des années. Donc, ils ont intérêt, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais en tout cas, ils ont eu envie de nous aider parce que la situation, c'est celle qu'ils connaissent. C'est leur engagement à eux aussi et ils avaient envie de nous aider à monter ce projet, de nous aider à montrer au plus grand nombre que ça existe, c'est des gens comme vous et moi. Et... D'accord, c'était la parole des compagnons à Emmaüs Sasnage et on vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Tout le monde, toute la production vous remercie pour tout.